Bonjour à tous. Le séjour prolongé de la princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud, son pays natal, à cause de ses multiples opérations, fit couler beaucoup d'encre et donner lieu à bien des spéculations. Cette fois-ci, c'est une femme italienne qui prétend avoir une idylle avec le prince Albert II, qui a tenu des propos accablants dans un entretien pour le Monde Choc, accordé au journal allemand Bild. Cette femme de 57 ans a commencé l'année très difficile de l'ancienne nageuse de haut niveau passée loin de sa famille en raison de son intervention chirurgicale après une terrible infection de la sphère ORL. Ça m'a vraiment énervé qu'elle soit restée en Afrique du Sud l'année dernière et qu'elle n'ait pas vu ses enfants, a dénoncé Simona. Elle ne pouvait pas prendre l'avion pour des raisons de santé. En tant que mère, j'aurais nagé aux prises en bateau pendant mes enfants. D'ailleurs, qui est cette Simona Tagli? Celle-ci a été animatrice télé italienne qui a mis un terme à son parcours médiatique en 2011 et d'ouvrir un salon de beauté de grande envergure. Le message de l'ancienne présentatrice Prince Souverain de Monaco pour la Saint-Valentin et la première dame de Rocher est assurément resté amer lorsque cette femme a en effet publié le 14 février dernier un veille cliché d'elle et le prince Albert trinquant avec amour, accompagné des messages suivants. Souvenir d'un rencontre magique. Je souhaite à tout le monde une bonne Saint-Valentin. Simona, écrivit l'italienne avec une série de cœurs et de couronnes. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.